Salut les mecs, comment vous allez? Moi je vais super bien, je vous fais des bisous. Big up à tous mes choulapis. Tchou, 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 tchou. Wesh les mecs, comment ça va? Wesh les meufs, comment ça va? Dis-moi que t'es un soldat. Dis-moi que t'as RT. Dis-moi que t'es un vrai. Big up parce qu'on partageait. Ouloulou, fais des bisous. Big up à tous mes choulapis. Tchou, c'est un freestyle. Big up à toi, fais-moi péter un max de like. Manque de Ventoline ou pas? Ok, aujourd'hui, setup complet sur deux caches. Setup complet sur deux caches, on va jouer à la Cloud9, à l'américaine. C'est les Américains, ils ont tendance à faire ça, d'accord? C'est pas forcément que Cloud9. Cloud9 l'ont un petit peu démocratisé, on va dire ça comme ça, quand ils étaient forts. Ouais. Là, il faut une ou 2 secondes de silence parce que c'était il y a longtemps, on va pas se mentir. On parle de 2014, je crois, ou 2015. D'accord? 2015, je crois. Ouais, c'est quand ils étaient encore un peu des majors, des trucs comme ça. Paix à leur âme. Donc, on va dire setup Cloud9 ou setup à l'américaine, ça dépend un petit peu comme vous voulez. Ok, donc le but de ce setup, c'est de délaisser complètement le mid. D'accord? Et d'être fort en A. D'accord? Mais qu'on ait quand même une petite info. Donc, le but de ce setup, c'est une fois qu'on a un AWP, bien évidemment. C'est de commencer à 3B, d'accord? Donc la WAP mid par exemple, il vient en B en début de round, d'accord? Et il vient et il smoke le B, d'accord? Comme ça il utilise sa smoke pour le B. Maintenant ils sont 2B, ils ont encore 2 smokes à renouveler. D'accord? Là on a délaissé le mid, on n'a pas smoké, etc. Les deux en A, ils viennent, ils se smoke le main, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Donc il y en a un qui est flash en main sur l'hélice, voilà, flash hélice comme ça, hop. Donc je vous la montre. Voilà, elle peut être là, donc si ça déclenche, ouais, il est flash en main comme ça. D'accord? La WAP qui va revenir. Il va revenir au niveau de la tricaisse. Il va garder que le mid pour avoir l'info Z. D'accord? Il faut cette info Z, c'est super important. Il faut l'info Z, donc ici. Et là, on a un mec jaune. D'accord? Et on a un mec jaune en ligne Funny Babe. Sur ça et sur le main comme ça, d'accord? Et dès qu'il y a de l'activité, il se cache. L'autre peut flasher et si ça déclenche, l'autre flash, il décale ensemble, etc., 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 etc. Et après, s'il faut smoker le main, lui, il est là ici. Il a juste à viser ce trait. Vous voyez ce trait? Donc ce trait au niveau de la porte du main. Et il smoke comme ça, ça fait une smoke parfaite sur le main. Okay? Et s'il faut smoker de la tricaisse, le mec du BP, il peut venir ici. Vous prenez ce point-là, vous descendez au milieu de entre les deux, quoi. Donc ce point au milieu, comme ça, et vous smokez votre main encore une fois parfaitement. Donc voilà pour le setup à l'américaine. Donc c'est d'être fort en A, c'est quand les mecs on sait qu'ils font beaucoup de A, d'accord? C'est pas un setup qu'il faut faire juste comme ça. Allez les gars, on fait un setup Cloud9. Non, setup Cloud9 c'est quand on veut contrer le A. Les mecs ils font beaucoup de sorties portes, ils font beaucoup de sorties main, ils font beaucoup de split A, ils prennent le mid, ils viennent en A. C'est quand les mecs finissent en A. Souvent, on veut faire quelque chose pour contrer ça, donc on vient à 3 en A, d'accord? Mais on délaisse pas pour autant le B, et surtout on essaye de mettre les mecs du B dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que le mec du mid vient leur smoker en début de round le B, d'accord? Comme ça après eux ils ont full stuff, ils peuvent resmoker, après ils ont encore des flashs, etc., etc., etc. Donc après en B ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent jouer un fifla reine comme ça caché, l'autre qui smoke ici et flash en main pour le il lui dit vas-y flash moi, voilà il le flash, l'autre il décale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, qu'on soit bien clair. En B ils font ce qu'ils veulent, juste que ils doivent utiliser intelligemment leur stuff et ils savent que ça peut venir conduit, d'accord? Ils savent que ça peut pas venir du Z, mais surtout conduit ça peut venir. Ok, imaginons maintenant que vous fassiez smoker. Que vous fassiez se moquer ici, ce qui arrive, d'accord? Il y a des mecs quand même, quand vous jouez des équipes et tout un peu correct, qui vous smoke ici. Donc là, on n'a plus la visu Z. Donc là, le setup change. Le principe va être le même, mais le setup change. Donc là, en fait, le mec qui était jaune, il faut qu'il recule. Il faut qu'il recule, car. Voilà. Et il a quand même l'info Z. Et on reste à 3 en A. Vous voyez, on est quand même axé 3A. Et on a quand même l'info Z. Et eux n'ont pas le conduit. Ok? Donc voilà comment ça se passe. Il est accroupi comme ça. D'accord, parce qu'il se montre pas et la WAP prend tout de suite l'info main comme ça et après on a le mec BP qui est toujours ici comme ça. Donc si la porte s'ouvre ou qu'il dit ça sort, lui il flash et après il vient, il décale ensemble et lui il peut venir les aider très rapidement.
Voilà, au cas où vous avez un petit contre qui vous me dites ouais, mais ils ont smoké ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, je vous ai donné une alternative, etc. etc. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit setup Cloud9 ou à l'américaine, appelez ça comme vous voulez. Je vous embrasse tous, merci de liker la vidéo, merci de commenter, merci à ceux qui retweetent, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui sont actifs, c'est super important pour moi, pour les stats et tout. Gros big up, je vous embrasse tous mes cafardinos et les cafardinas.